Et aujourd'hui, je suis avec... Toi, tu connais, c'est la Marla. Y'a pas chien, c'est Yopou Godan, haut jusqu'en bas. Toujours bien coordonné. La grande go du rap, Marla. On dit quoi, ça va tranquille? Alors, tu connais un peu le principe, hein. On va dans la rue, on sent les gens, on les met face à la caméra, ils disent ce qu'ils pensent de toi, et puis à un moment, tu sors, wow. Ok, y'a pas de problème. Non, fais pas par la... Non, au calamar, non, tu connais. Ça bouge, allez, on y va, ma go. Toi qui aimes le rap, on a aujourd'hui Marla. Est-ce que vous la connaissez? Oui. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Bon, elle a bien commencé sa carrière. Je l'aime bien. Elle m'intéresse, mais j'aime pas trop ses sons. Récemment, il y a la polémique autour de son son, là. Akpi. Oui, Akpi. Qu'est-ce que vous pensez de la musique? Le son, le fameux son. C'était parfait. Est-ce pourquoi elle a chanté? Chacun comprend sa manière. Notre manière. En tout cas, on a qu'à continuer ce qu'elle a commencé. Je vais l'aider aussi. Tu veux continuer ce qu'elle a commencé? Oui, oui. Je vais l'aider. D'accord. Du coup, ça serait bien si vous lui dites en face. Persévère dedans son moi, je fais évoluer. Écoute la vie des autres aussi. Les conseils qu'on te donne, c'est pas tout, tu dois prendre en mal. En tout cas, merci beaucoup à chacune d'entre vous. Marla. Ouais. Voilà. Tu connais Marla toi? Ouais, je connais Marla. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Bon, elle est forte. Quoi tu veux? Pourquoi elle rit elle? Ça va, elle a choisi Akpi. C'est Akpi. Ouais. Elle est forte, elle est forte. Elle fait pas l'apologie en fait. Elle dénonce. Elle dénonce quoi? Elle dénonce la drogue. C'est ça, elle dénonce. Ah, dis quoi, elle dénonce. Vous riez. Elle dénonce, ouais. Dans la manière de dénoncer, est-ce que vous, ça vous plaît? Si, en tout cas, moi, ça me plaît. Ça, ça te plaît? Ah, bien, puis que ça vraiment comprend ça comme ça, c'est que c'est bon. C'est bien de dénoncer ceux qui prennent la pi. Elle continue cette lancée, là. Yeah. Ah, voilà, on dit tu dénonces. Hein. Ah. On dit tu dénonces fort, même. Tu elle dénonces fortement. Yeah. Elle dénonce pas. On apprécie ça même. En tout cas, apparemment, ils aiment ça. Ah, vous aimez ça? Ouais. Vous aimez quoi? La musique, le Akpi ou le fait de dénoncer? Non, c'est le fait de dénoncer l'Akpi. Ah, pas de problème. Ah. Dénonçons. Continuerai, ne vous inquiétez pas. Attention, hein, pas de drogue, tout ça, c'est pas bien. Vous connaissez Marla? Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Moi, je trouve qu'elle est créatrice et tout. Créatrice? Oui, oui. Akpi, là. Nous sommes à Akpi. Ça fait danser, voilà. Surtout la partie où elle dit le Samu Gano, Samu Akpi. Qu'elle se donne la foi et puis qu'elle met Dieu en avant. Quoi. Dieu en avant? Ouais. Ouais, d'accord. Bah, je crois que vous allez lui dire ça directement. Ouais. Ça serait bien sûr. Salut. Ça va? Ouais, enchanté. Ouais. Quand tu as compris quoi? Quand on dit Samu. Bon, dans le langage ivoirien, on nous s'il y a ça, moi là, c'est tirer quelque chose en fait. Qui t'a donné cette définition de ça? C'est ce qu'on comprend en fait. En tout cas, moi j'ai écrit ma chose, moi je sais ce que je voulais dire dans le son. Bizarrement, chacun a compris à sa manière, et puis chacun a compris dans le mauvais sens. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais il y a eu voir ce que je veux dire, mais c'est pas ça. Faut forcément accepter ce que moi je dis parce que c'est moi mon son. Donc Marla, qu'est-ce que tu penses d'elle? Bon, elle est très douée, elle a du talent. Qu'est-ce que tu penses du son Akpi? Bon, on peut dire que c'est exagéré, hein, parce que Akpi déjà, on peut dire que c'est le cannabis. Donc elle a trafiqué ça, on peut dire que tu sens ma gano, tu sens ma Akpi. Wow. elle a eu à se défendre pour dire qu'elle dénonçait la consommation de la drogue. Moi je crois pas, ouais. Je crois pas, mais bon, je veux dire que j'aime son... Bonsoir. Le non, petit rire. Non, j'ai rire ton son, mais ça me kiffe. J'ai kiffé ton son. Ouais, que tu dénonçais les gens qui prennent la bulle, que tu les dénonçais dans le son, c'est pas bon. En fait, c'est un conseil que j'essaie de passer. Quoi. Non, mais tu es obligé de croire. Sérieux? Tu es obligé de croire parce que c'est ce que je fais, donc tu es obligé de croire. Waouh! Alors Marla, qu'est-ce que tu as pensé de ce que les gens disent sur toi là? C'était vraiment bien. En tout cas, j'ai apprécié les avis divers. Les commentaires et voilà. C'est quoi l'actualité de Marla? Ben maintenant, Marla doit faire sortir un son très bientôt. Bon, disons la semaine prochaine. Le son s'appelle Dénonce. Voilà. Si là, le titre déjà ne vous dit pas quelque chose, c'est que vous faites esprit. Dénonce. Ouais, qui sort bientôt, très bientôt. Très bientôt. Bah, on arrête d'écouter ça et de voir ce que ça va donner. On verra si vraiment le titre dit de quoi ça parle. Ouais. Et puis, on te donne la force comme on peut. Merci beaucoup. Ensemble, là. Allez, waouh.